On se retrouve après avoir été dans la pièce secrète toute noire là-bas. On a fait les îles. Et il nous manque toujours la partie orange et la partie noire. Par contre, après avoir fait un retour dans le temps et avoir de nouvelles structures, on peut se rendre compte que si on va dans la partie où on a les chiffres en couleur, numéro 4, c'est facile, c'est marqué dessus. Les choses ont un peu changé et on a accès maintenant à une cave ici. Il faut bien sûr avoir les sigils, les runes découvertes pour pouvoir entrer. Et on a accès à un autre endroit. Alors, premier puzzle de Infinity Corp. La sortie au nombre 2. Il faut regarder, en fait, c'est les X. Ici, il y en a 2 à la première porte. La sortie à la porte numéro 5. Il faut compter les lettres. Là, il y en a 5, 2, 3 et 4. Donc, c'est la première porte. Sortie à la porte numéro 1. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre de mots. Ici, on a la sortie à la porte numéro 3. Alors, quand on regarde ce qui est écrit, on s'en fiche un peu de ce qui est écrit, mais on voit qu'il y a 4 phrases. La première, elle est très grande, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la première fait 4 lignes, là, elle fait 3 lignes, 2 lignes et 1 ligne, et nous, on veut 3 lignes. Donc, c'est la deuxième porte. La sortie à la porte numéro 3. Alors, pareil, ici on a 1, 2, 3, 4 phrases. Et dans les phrases, on a des virgules. Donc là, il nous faut 3. Ça veut dire qu'il faut 1, 2, 3 parties dans la phrase. Donc c'est le numéro 2. La sortie à la porte numéro 2. Bah, c'est B, hein, je pense. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, expérience is a mind, sortie à la porte numéro 9. Alors, je pense qu'il faut regarder la première lettre et voir dans l'alphabet c'est quoi la lettre 9. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Le 9, c'est le I, donc ça va être la deuxième porte. Alors, ici. The right answer is on the vertical side of this two. Le chiffre 20, le nombre 20. Bah pareil, on va compter avec le T, le I, le S et le O. Le nombre 20, c'est quoi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. C'est le T, le 20. Donc ça va être la première porte. Alors, answer is a sum. Et ici, on a des chiffres aussi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est additionner les lettres A, N, S, W, E, R. Ça nous donnera la première porte. I, S, la deuxième porte. Z, T, H, E, la troisième porte. Et donc, le 33, c'est avec le T plus H. Plus E, ça nous fait 33, donc c'est la porte 3. Ensuite, faites plus 3, la sortie à la porte numéro 8. Donc 5 plus 3, 8. Qu'est-ce qui est, c'est quoi le 5? C'est le E, donc c'est la porte 4. Sortie à la porte 23. Alors là, j'ai pas très bien compris.
23. Je ne sais pas très bien pourquoi. Ah, j'ai l'impression qu'il faut prendre le E et voir que le 23 il est là. Donc c'est le E. Et porte 12. Je ne sais pas bien non plus. J'ai l'impression que le chiffre qui est marqué, en fait, c'est le nombre de la porte. Et on arrive à notre rune numéro 4. Nous en manquera toujours une. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Take a step of faith from the cliff where you can see all. Ah. Tu le dis. De quoi là-haut? Bon, bah je crois qu'on a tout fait pour cette partie. Pourquoi il est mort lui? Il n'y a pas une clé sur lui? Retourner au départ. Je peux pas sortir. Alors, The Cliff, c'est où The Cliff? C'est ce que j'ai déjà fait, ça se trouve. Le saut de la foi. Je pense que c'est ce que j'ai déjà fait. Est-ce que la porte au départ elle est débloquée ou pas? Ça se débloque? Un jour cette porte? Non. Je pense que c'est ça qui parle de Cliff.
loin là, pour sauter. Yes! Mais je suis où là? Je sais pas. Y'a rien là-dessus. Je sais pas si je dois venir ici ou pas. Aucune idée. C'était marqué de venir sur la falaise. Je ne sais pas. Oh! C'est ça qu'il faut trouver? Je sais pas. Y'a un passage plus propre que ça ou pas? Je sais pas du tout. Moi, je vais descendre. Hein. Je vois pas d'autre ce que je peux faire. Je sais pas si c'est le début, la fin. Allez, je descends. Aucune idée. Et c'est bien le orange. Yes. Alors, après avoir sauvegardé, qu'est-ce qu'on a ici? Il est sorti au nombre numéro 2. Les chiffres, ils sont cassés. On voit pas le haut. Donc là, ça pourrait être le 2. Là, ça serait le 3. Ça serait le 4. On veut le 2. Tout cassé ici, c'est inversé et la sortie nombre 1. Alors si c'est inversé, on prend le blanc, et pour avoir le 1 il nous faut du blanc ici, c'est celui là alors le nombre 2 c'est du rouge. Et on a le jaune n'est pas à gauche du rouge. Donc on a aucune couleur. Moi je vois pas de couleur. Hein. Rien pour nous aider. Le vert n'est pas sur un bord. Pas de couleur. Et le rouge est à gauche du vert. Donc le rouge, il peut être en deuxième position. Yes. Et on dirait qu'on voit notre dernier sigil. Je fais un petit tour quand même au cas où. On aurait des choses à repérer, je sais pas. On dirait pas. Il attendait plus que moi, lui. La rune 11. On n'a plus qu'à ressortir d'ici. Oui, je crois pas qu'il y avait d'autres façons de venir jusque là, donc. Et voilà pour cette partie orange. Ça a débloqué le noir aussi. Alors, on se retrouve pour faire la partie noire. Maintenant qu'on a toutes les runes, on a tout débloqué avec l'orange.
Alors, la partie noire. On arrive dans une salle avec des portes. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est le reflet. Là, on voit des symboles. Au milieu, on voit notre boussole. En haut. Mais dans le reflet, on voit une direction. Ici, c'est marqué EG. Pour regarder à l'envers, bien sûr. Donc, la direction, c'est Est. On se met dans le sens de la boussole, si le jeu veut bien me laisser bouger comme je veux. L'Est, c'est par ici. Donc, on regarde le chiffre qui est à l'Est. C'est celui-ci. Et G, green, c'est le vert qu'il faut prendre, c'est le 16. Le chiffre 16, dans l'alphabet, ça nous donne quelle lettre? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ça nous donne le P. On regarde tout en haut à gauche. Le P, on aperçoit le logo qui est tout en dessous. C'est une espèce de losange avec des points sur les côtés. Celui-là. Le P. Et donc, ah, le jeu est super. J'espère que c'est la bonne porte. Yes. King Puzzle. Et j'entends des feux d'artifice. Y'a rien que ça à faire. Bon, bah on va ressortir. Super. Bon bah il nous reste quoi pour terminer le jeu, rentrer à l'intérieur et retourner dans la machine?